l'histoire de Jesse James. Comment il est mort, comment a-t-il vécu? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils font le camp de Barrow. Leur nom, Bonnie Parker and Clyde Barrow. Lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un homme loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui me l'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage, qu'une banque se fait braquer. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'on essaye de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, les trois jours, voilà le tac-tac-tac, la mitraillette qui revient à l'attaque. Bonnie and Clyde. Ces quatre, nous tomberons ensemble, mon amour. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Qu'on s'en mord.